Pauvre enfant. Son état s'est de nouveau dégradé depuis son retour du sanatorium. J'ai peu d'espoir. Je crains qu'elle ne doive de nouveau être enfermée là-bas pendant des mois. Si vous en parliez au docteur Müller lors de votre voyage en Suisse. Encore faut-il qu'elle soit en vie à mon retour. Arrangez-vous pour qu'elle ne sorte pas d'ici. Il serait plus sage de rester au lit. Qui êtes-vous ? Vous nous retrouverez à la salle à manger à la nuit tombée. Et habillez-vous. Vous n'allez pas dîner ainsi. Où suis-je ? Suzanne. Qu'est-ce que c'est ? Cela va calmer votre toux. Les médecins ont dit que j'allais mourir. Il existe une solution.
Vous avez la tuberculose. La médecine ne pourra rien pour vous. Qui êtes-vous ? Montez mes escaliers. Traversez mes couloirs, visitez mon château. Et vous découvrirez qui je suis vraiment. Ensuite, vous déciderez si vous voulez vivre ou non. L'éternité est la plus terrible des maladies. Voir mes femmes périr au fil du temps me fait beaucoup souffrir. Mais avec vous à mes côtés, cela changerait tout. Je sens votre volonté de ne pas mourir. Faites-moi confiance. Cela fera bientôt 1000 ans que la première femme du comte, Margot, est morte. Chacune de ces femmes a été prise d'amour pour le comte, mais aucune n'a voulu de la vie éternelle. Je ne comprends pas. Il n'y a d'amour seulement quand il y a la mort. Vous aimez le comte. Sachez que la douleur n'est rien face à l'épuisement de l'âme.
C'est ici que tu dois décider de ton sort. Si j'accepte, je devrais rester ici. Tu devras rester avec moi, oui. Non ! Je refuse d'être à nouveau enfermée. Vous allez donc mourir, Suzanne. Suzanne a vécu. Elle a emporté avec elle l'envie de vivre. N'oublions jamais de puiser dans l'âme des braves, puisque sans braves, il n'y aurait plus d'histoire.